Bonsoir VOD. Vous voulez dire bonjour à la VOD? Attendez, je vous affiche. Je vous ficha. Voilà, si jamais, vous voulez être poli, vous n'êtes pas obligé. Hein. Bonjour la VOD, on est sur Subnautica. On va essayer enfin d'aller vers la fin quand même. On s'est préparé pour aller en expédition. Il n'y a plus qu'à. On va devoir... Pardon. On va devoir... quoi ? Trouver un antidote qui a été caché dans une petite gro. Après renseignement auprès de la communauté, cette petite gro n'est accessible qu'avec la machine qu'on a là au milieu, le petit pingouin robot. Donc je le prends. On s'est fait un équipement qui nous... On s'est fait la combinaison qui nous permettra de résister au froid. Mais je vais peut-être quand même prendre mon... Enfin non, je vais quand même totalement prendre ça. Parce que je pense que ça pourrait être bien d'avoir un truc dans lequel me cacher à certains moments. Et c'est pas ça le module, il est où l'autre module? Il me manque un module, je crois, non? Il est déjà accroché, j'avais pas fait attention enfin. J'avais pas fait attention. J'ai déjà le module qui est accroché, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que ça marche si je fais... Ah, j'ai shooté un truc, si je fais comme ça. Non, je vais descendre. Ça va prendre 15 piges pour rien. Ben voilà, je sais pas si... Mais y'a pas de rétro aussi. Attention. Maintenant. Nickel. Voilà. Du coup, je vais remettre truc delta ou je sais pas quoi, attendez. Je peux mettre un point. C'est lequel le point déjà? Plateforme d'atterrissage machin, il y est déjà. Sauvegarder, tiens. Voilà, comme ça on a fait toute cette petite préparation tranquille. C'est là-bas. On y va et on va essayer d'explorer un petit peu. Vu que moi je... J'ai pas de... Enfin j'aurai ma combi, je serai pas obligée d'être constamment dans l'armure, dans l'exosquelette. Donc ce sera un peu plus pratique je pense. Après l'exosquelette, l'avantage c'est qu'il protège des dégâts aussi. Mais il risque de se... Enfin l'exosquelette. La combinaison prône. Elle risque aussi de s'éclater. Salut poteau casque. Mais je crois que... Après ça, il faudra que je crafte les trucs pour Alan. Et après... go. Go vers la fin. Ça peut-être pas aujourd'hui. Parce que je pense pas faire ça toute la soirée. Mais j'aimerais bien avancer un petit peu quand même. Parce que ça fait depuis longtemps que je suis sur le jeu là. Ça commence à faire longtemps. Ça fait 2 mois que je le laisse traîner, le Subnautica. Va être temps de le finir quand même. Oh, j'aime trop. L'animation des algues est plutôt cool. Simple, mais cool. Alors peut-être aussi qu'il y a un passage dans la grotte pour pouvoir me... m'amarrer à un endroit plus pratique. Je sais pas du tout, enfin dans l'iceberg. Parce qu'à chaque fois je suis à un endroit vraiment relou. Alors que quand on va à l'intérieur de l'iceberg, enfin de l'île, de la banquise, la machin, et ben on voit qu'il y a un espace où j'aurais pu passer avec mon sous-marin. Pour pouvoir me garer plus facilement, tout ça, tout ça. Donc je vais voir si je trouve cet endroit. Je vais essayer de me garer au centre. Pas sûr du tout d'y arriver. Parce que là, je... Bon, on regarde, on teste. Je crois que je descends au lieu de remonter, ce qui est l'inverse de ce que je veux. Ça me dit, je vais sûrement voir Beetlejuice 2. Mais quelle drôle d'idée! Pourquoi tu fais ça? Mais c'est vrai que t'as un pass ciné où tu vas beaucoup au ciné, toi. Qui te permet d'aller beaucoup au ciné. Donc je comprends, t'as ton pass. Mais bon.
Malheureusement... Il n'y a aucun cas de figure où il sera pas pas mal raté, quoi. Enfin, raté. Où il sera pas décevant. En même temps, ça dépend. Je suis sûr que tu peux t'attendre juste à rien, quoi. C'est mieux, d'ailleurs. De manière générale, finalement. Attendez-vous à rien, juste. Comme pour mon stream, d'ailleurs. Attendez-vous à rien. Comme ça, ça passe. Pour pouvoir critiquer s'il est nul. Je veux le voir pour pouvoir dire que je l'aime pas. Ah, c'est tout à ton honneur. Ok, je suis passée par le mauvais endroit. Bah, tu nous diras. Bon bah, je suis pas passée par le bon endroit et du coup, j'ai pas accès à la petite zone d'amarrage et du coup, c'est chiant. Par contre, c'est joli. Mais c'est chiant. De me traîner. Je me traîne là, je me traîne là. Pitié. Tant pis, je vais me mettre à l'endroit où je me mets d'habitude, qui n'est pas du tout pratique. Mais sinon, je vais mettre trop de temps, je pense, à trouver l'entrée. Alors, faut que je fasse le tour. Peut-être faire le tour par là. Ça me gratte. C'est pas mal là. Regardez. Ça m'a donné aucune info. Je crois que c'est le bon endroit, mais c'est très chiant. Oui, c'est possible. Je l'avais trouvé, mais déjà j'avais pas de chargement. Compliqué à trouver la petite zone que tu cherches. J'ai trouvé qu'une fois, il me semble. C'est vrai que je la trouve plus facilement de l'extérieur de la flotte que depuis la flotte. Et je regarde si jamais je vois une petite grotte sur la paroi. Puis on aura fait un petit tour. Pardon. Bon, comme d'hab, on peut rien voir. De toute façon, je sais pas pourquoi j'essaye de me repérer comme ça. Ça sert jamais à rien. Mais jamais, jamais. J'espère que le prochain Subnautica, il n'y aura pas de zone de classe chiante, là. Ou pas que. Vraiment pas que. J'en ai marre des tempêtes. Vraiment, à chaque fois que tu regardes... Voilà. Chaque fois que tu regardes au-dessus de la flotte, t'as ça. Et encore, là, on voit à peu près clair. N'oublie pas de save. Ouais. Quand j'aurai trouvé. Mais j'ai sauvegardé avant de partir, déjà. Au cas où il se passait une dinguerie. Donc je commence à apprendre de mes erreurs. J'ai une partie de 50 heures là. Ça y est, je commence à apprendre. Vous êtes fiers? Non, bah ce qui est bien, c'est que je m'éloigne de fou là. Ah ouais, je suis à 800 mètres. Bah maintenant, là au point où je suis. Au point où j'en suis. Voilà, il va avancer tout seul. Entering ecological dead zone. The prospect for survival is fast approaching zero. D'accord, en fait j'étais en train de sortir. Ça m'a fait hyper peur. Ça, autant dans le jeu. Voilà, vous pouvez le constater, j'ai jamais peur des profondeurs, j'ai jamais peur d'aller dans les recoins, d'aller vers les Léviathans. Autant. J'avoue que je suis vraiment pas à l'aise quand je sais que je commence à sortir de la map. Parce que déjà je sais que je vais probablement mourir si je continue. Et là, tu peux avoir du bon screamer de Léviathan, là. Là, je dirais que c'est le moment dans le jeu où j'ai... Allez, peur. Où je suis pas à l'aise. Voilà. C'est quand je sais que je suis hors map. Et que ça risque de mal se passer. Mais ça, c'est aussi à cause d'un jeu... Enfin, d'un jeu... Pas que d'un, je pense. Mais je me rappelle d'un jeu de surf. Comment on appelle ça? Le ski nautique. Connu, j'en avais déjà parlé, où quand on sort de la map, quand on sort du circuit, puisque c'est un jeu de course, et ben il y a un kraken qui sort de l'eau, qui te chope et qui t'envoie
au loin, enfin qui je sais plus comment, je sais plus ce que ça fait. Mais forcément moi j'ai toujours fait ça dans les jeux, je vais toujours explorer tant que je peux. Et là je l'ai fait, j'étais gamine, j'ai dit... Je pense que j'ai sursauté, je me rappelle mal de ma réaction. Mais ce qui est sûr c'est que ça m'a marqué au point où c'était sur la Dreamcast donc. Au point où je me rappelle encore aujourd'hui. Donc je crois que ouais, c'est ça qui pourrait me faire peur, le hors map. Tu veux me faire un jeu d'horreur, c'est un jeu qui se passerait hors map. Ce qui a pas de sens du coup. C'est ça ma faiblesse. Alors, je vais arrêter de faire n'importe quoi. Puis tout à l'heure, je vous raconte ma vie, mais j'avance pas dans ma quête. Ça va la VOD? 10 minutes de VOD pour ça. Nickel. Je vais juste essayer de trouver un rebord où je peux accoster et ce sera très bien. Bah, c'est ici, non? Ce petit rebord-là, ce me semble. Parfait. Voilà, j'y vais comme ça parce que en plus, j'ai dans le stockage des trucs très utiles. Donc je l'embarque, mais je vais pas l'utiliser tout le temps. J'ai juste essayé de me rapprocher de la zone. Alors c'est un peu difficile de savoir où est-ce qu'il faut que j'aille. C'est là que je devrais accoster en fait. Pourquoi j'accoste jamais là moi? Mais je pense qu'il faut que je passe le pont déjà. Et après il faut explorer et il faut essayer de trouver des choses. Là, je vais passer le pont et après on essaiera d'improviser sachant qu'il fait nuit et que du coup c'est un plaisir. J'ai envie d'aller vers les trucs rouges. Là de toute façon il fait nuit donc ce sera très chiant de se repérer. Mais je me rappelle que la semaine dernière Céline m'avait dit c'est près d'endroits où il y a des où il y a les pingouins. Oh mais je suis déjà là. Je m'en vais. Je suis pas sûre que ce soit par là les pingouins. Après j'ai une map maintenant, non? Photo. Cherche. Mes mots d'hiver. Oh, où est-ce que... Ah bah là, ici, carte. Voilà, ça doit être là qu'il faut que je le fasse. C'est près de l'endroit où il y a ces arbres que j'ai trouvé une seule fois. Enfin, peut-être pas. Ah, c'est. On passe le pont. On arrive là. Ok, à gauche quand on passe le pont. Enfin, non. Pas vraiment en fait. Dans une falaise, pas d'endroit, il y a plein de manchounets. Ouais, tu m'avais dit ça. I remember. Attendez, je vais essayer de revenir là où j'étais. Voilà, là on est au niveau du pont. Et là, il y a un truc effectivement à contourner. Ah, elle est indiquée sur. En fait, c'est ça doit être complètement cet endroit-là en fait. On est là. Donc, faut aller là. D'accord. Je vais y aller par là.
Mais c'est pas bon. Laisse trouver une grotte et après il y aura ça. Tu peux au bon endroit, c'est ça. Ah bah peut-être que si, il y a des trucs. Il y a ça. Ça m'aide peut-être ça, attendez. Très envie de zoomer mais je peux pas. Voilà, c'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau, faut pas que j'y aille. Faut que je retrouve ce chemin, c'est ça. Non, même en l'air, je latte des bestioles en avançant. J'ai des muntes. Bah, mais ça nous indique en fait que la moitié des zones, c'est marrant ça. Ah, c'est super. Ça nous aide vachement là, cette zone-là, elle est pas indiquée sur la carte. Voilà. Trop bien. Nickel. Oh non, je suis re-là. Je me rappelle de cet endroit. Je me rappelle, j'y suis passé 15 fois. Oh non. Moi j'ai essayé de monter, ça servait à rien. Non, je repars. Et là, faut que je fasse gaffe parce que... Oh, j'ai même pas pris le marteleur, j'aurais pu le prendre. Il y a un serpent des glaces qui risque de me tuer. Un ver des glaces, pas un serpent. Mais la map, elle est horrible en fait. Enfin, c'est trop chiant d'essayer de s'y retrouver. Elle n'est pas du tout exhaustive. C'est relou. Sinon, je vais essayer d'aller par là. Mais je vais au même endroit, je crois. Si je vais par là. Bah non, mais je reviens de là-bas. Je sais pas. Ah, on entend le verre. Là, je vais là, sinon. Je vais peut-être descendre hein, de mon truc. Ça me fait aller là aussi. Mais c'est... En fait, comment on fait? Je pète un plomb. Comment je fais pour me retrouver d'après cette foutue map? Alors, c'est dans le temps. Non, parce que le pont, c'est l'objectif ultime, normalement. Ah, là, il y a une grotte. Vas-y, je vais dans la grotte. Ça me semble pas être une super idée. D'où je viens. Coucou. Sinon je vais à la plateforme hein, ça m'aidera. Moi ouais, je vais aller à la plateforme. Coucou c'est qui? C'est utilisateur anonyme. C'est mon chouné, c'est de l'ail. Mais c'est surtout... Mais la plateforme fille elle m'aidera pas. Attendez mais c'est bien... Non c'est bien le pont comme ça, du bas vers le haut. Bah oui. Donc si je vais là-bas... Non c'est pas bon. Ça va être cet anonyme? Certains que je connais qui regardent TPMB pour... avec Hanouna, c'est pour dire que c'est nul. Non. Non, c'est parce qu'ils aiment bien premier degré, hein, je peux garantir. C'est un peu comme ceux qui regardent la télé-réalité vraiment tout le temps. C'est pas juste pour se moquer, c'est qu'ils se sont attachés aux gens. Bah là, c'est pareil. Des émissions de merde, c'est pareil. Non. Ne vous faites pas avoir, enfin, pas vous. Pas toi, hémoglobine, pas toi. Ah, faut peut-être que j'aille par là. Ça vivote. Bah, tant mieux. La carte, c'est l'autre côté du pont. Ah bon? Moi, je suis du bon côté? Bon, écoutez, je vais monter alors. Mais je suis pas sûre d'être du bon côté. Hein. Parce que là, je fais tous les côtés et ça mène juste au même endroit en boucle. Donc j'avoue que je suis pas trop sûre.
Bercé par AB Prod, mais c'est ça. Oh ! Attends. On avait parlé d'un endroit avec de la glace. C'est pas là où il y a les manchounets ? Je crois que c'est la semaine dernière qu'on avait parlé. Mais non, mais il n'y a pas de manchounets. Hein. Je suis peut-être du mauvais côté du pont en vrai. C'est possible, hein ? Il y en a un autre qui se rapproche. Mais non, mais les manchounets, je les voyais. C'est de l'autre côté du pont. Enfin, je pense. Parce que ça me remène là. Les manchounets, je les avais croisés pour la première fois alors que j'avais pas encore débloqué le pont. Donc c'est de l'autre côté en fait, non ? Il y a de la glace ou il y a des manchounets ? Bah là il y a de la glace, mais il n'y a pas des manchounets, malheureusement. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Bercé par un Bepron. J'avoue que si je commençais, là c'est ça hein. Si je commençais à regarder AB Prod hors stream en mode non mais c'est pour préparer mes lives, non non mais c'est pour me moquer, c'est pour ma culture G, ce serait du mytho hein, ce serait pas ce que j'aime bien hein. Donc j'avoue que je suis déjà assez saoulée d'avoir mon compte YouTube qui est niqué par toutes ces propales d'AB Prod. Mais ça va, c'est le compte du stream. Mais disons que voilà, vous pourriez remettre en question la véracité de mes propos, quoi. Comme Guile, évidemment, c'est parce qu'il adore. Vital signs stabilizing. Bon bah je vais rentrer. Je vais aller de l'autre côté du pont du coup. Bah non non, là je save pas parce que ça sert à rien tout ce que je fais. Ah non mais c'est pas de l'autre côté du pont, c'est pas possible, attendez. Là ça peut pas montrer l'autre côté du pont parce qu'il y a vraiment... Enfin ça ressemble vraiment pas du tout. Non, c'est l'inverse, hein. Et du coup, je comprends pas. Ouais, il suffit de voir là où il y a de la rivière. Ah, peut-être, en fait. La rivière est par là. J'entends des manchounets, n'empêche, ici. Peut-être que j'écoute, que je suive l'audio. Je cherche les manchounets à l'audio. Oh non, je peux pas pouvoir passer. Mais oui, c'est vraiment l'enfer. Je suis d'accord que c'est vraiment... Se repérer dans ces zones là, mais c'est extrêmement désagréable. Non, y a pas de manchounet ici. J'espérais, je me suis dit peut-être comme ça, tu vois. En tout cas, il y a des manchounets là. Je continue par là. C'est une idée chiotte. C'est une idée de chiotte, hein. Ah, j'ai plus d'endu. N'empêche, là, au moins, je me sens mieux.
J'avais fait une ou deux bases nulles qui m'aidaient un peu comme point de repère. Ouais, j'ai pris une balise moi au cas où. Mais en fait, depuis tant de parties, je retrouve plus la zone. Je retrouve plus jamais la zone en fait. Non, c'est là que je veux aller. Oh mince, mais attends. Si, c'est là-bas. Bon, eh ben, je vais me promener sans cette combi, hein. Ça va pas... Ça doit m'aider à m'embrouiller plus qu'autre chose. Il est où? Ah, il est là-haut. Allez! J'attends juste que ma batterie soit chargée. Ma batterie de boost qui est derrière moi, vous la voyez pas. Et je manie bien le prône quand même, non? Je sais pas, je suis assez fière. Professionnel! Merci! Ça ne nous a servi à rien. Ok, bien. Du coup, bah, je vais essayer de ce côté-là, alors. Essayer de ce côté-là. En essayant de voir si c'est bien là, mais je ne sais pas. Ça a l'air d'être à gauche. Le jeu est dit c'est à gauche, alors on va faire ça, hein. Insupportable de se repérer ici, je déteste vraiment très 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 profondément cet endroit. Plateforme d'atterrissage FI. Est-ce qu'on le voit sur la map? C'est peut-être ça hein, qu'on voit. Avec la porte. Avec cette porte-là, là. C'est peut-être ça qu'on voit en vrai, là. Et du coup, faut que je passe à la gauche. Mais il y a de l'eau à gauche, ça peut pas être ça. Ah non, il y a le lac gelé. Ah donc, ok. Ah oui, là il y a le truc rouge. Non. Je repars là. J'ai l'impression qu'il faut se mettre en hauteur. J'ai l'impression que je suis partie du mauvais côté. Est-ce que je peux mettre en hauteur directe là? Genre sur le rebord là? Ou pas? Non mais vraiment, fais un saut enfin! Mais je t'en supplie, mais tu sois pas con! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et là-bas, il y a quoi là-bas? Là-bas, bah c'est inaccessible! Pas d'antenne qu'on voit sur la map. Bah le problème c'est que
Elle est au niveau des arbres violets. Alors, je sais pas où sont les arbres violets par contre, mais bon, on n'y était pas quoi. C'est un enfer de se repérer ici, vraiment c'est un enfer. Trop désagréable. Vu que tu vois jamais rien. C'est vrai que finalement ça sert vraiment à rien de se déplacer la journée, puisqu'on voit pas mieux du tout que la journée que la nuit quoi. Salut Oxley! Là, je suis où là? Je sais pas, mais j'entendais pas un loin. Ah, mais je suis de retour au début là, non? Depuis la hauteur. Je comprends rien à ce que je vois. Y'a des pingouins ici. Eh, des pingouins. Y'a plusieurs pingouins là. Y'a des pingouins là, hein. J'ai des pingouins là. Ah oui, puis. Je sais pas où je suis. Ouais, les zones hors de la flotte dans ce jeu sont insupportables! Quelle idée de con, bordel! GG. C'est peut-être pas la bonne zone en vrai. Hein. Parce que. Faut que j'aille dans des grottes. Ouais. Dans l'eau, ça. Là, je vais juste là pour savoir s'il y a une petite grotte à explorer avec le pingouin. Bon, bah, je suis censée trouver un endroit, une petite grotte, du coup, c'est ça? On est peut-être là, non? Ah, bah, ouais, j'ai vu ça! Mais ce serait un peu en hauteur alors. Si c'est ça. Hein. Je sais pas. Si c'est ça, peut-être que je comprends rien. Faut que je mange, je boive et tout ça. Vital signs stabilizing. Voilà, là il y a ça, il y a le petit bord là comme ça. Vous voyez, genre ici, de ici. Y'a ça. Vous voudrez aller de l'autre côté en hauteur? Là-bas peut-être? Arrête. C'est pour ça que je reste là-dedans. Là je peux monter là. Je vais tenter de monter. On va voir s'il y a un petit rebord, une petite grotte, un petit truc. Il y a des pingouins encore ici. Peut-être là-bas. J'ai déjà monté ici, je vais voir. S'il y a un endroit que je dois explorer avec un bébé pingouin. C'est une petite de gros, mais je vois pas. J'ai l'impression que c'est très trop caché si c'était là. De m'éloigner. Dans la falaise. C'est pas simple parce que j'arrive à peine à la distinguer, cette putain de falaise. Peut-être là-dedans, là. On est dans une zone un peu... où il y a des possibilités, finalement. Ah bah, il y a un trou.
Je déteste la banquise. Beaucoup. Je déteste beaucoup. Je tenais juste à le dire que je détestais vraiment beaucoup. Alors beaucoup, hein. Ah, y a les arbres ici. Dangerous weather approaching. Oh là là, la météo dangereuse! Sans déconner! Putain! Top. Oui, c'est vrai. Bon, ça s'appelle arbre rose. Tu vois ? Ok. Ça peut être utile. Mais du coup, je suis allée trop loin, effectivement. Donc toi je te reprends et puis on continue d'explorer cette zone. On est dans la bonne zone normalement. Oh attendez. Qu'est-ce que c'est que ces pataquèques? Trois. Aller ici. Ah non, je peux déjà aller. Oh, ça sent bon ça. Oh, ça sent bon ça. Sam must have stashed this here. Oh, putain, vraiment, mais je comprends bien, il fallait regarder la carte, mais moi ça faisait trop longtemps que j'avais pas joué, mais voilà, c'était inscrit sur la carte plus ou moins la cachette. Mais enfin, quel enfer de se repérer sur cette putain de carte de merde, mais on a enfin la ticket. Lox, c'est la meilleure. Ah bah ça on le savait. Oh là là. Donne-moi ça, toi. Non mais, dégage, je vais m'enchouner. Alors, arbre rose, je vais y aller parce que... Il me semble que c'est dans la zone d'arbre rose qu'il y a le géant... Ah mais c'est chiant. Je peux pas y passer autrement ? Je suis sûr que oui. Non peut-être pas. Oh non peut-être pas. Hein. Il me semble que c'est dans la zone des arbres roses où... où il y a le géant... Léviathan... Glacé, c'est ça ? Parce que c'est là que je dois mettre l'antidote. Merci pour vos encouragements, j'ai commencé à désespérer. Merci. Il me semble que c'est ça. Il me semble aussi. Quoi ? Bon, je peux y passer par un autre endroit normalement, mais là, bah, je me suis un peu embrouillée, emmêlée. Pas grave. C'est pas grave. C'est qui vous? Dangerous weather approaching. Seek shelter. Bah, je seek un shelter. Ah, c'est peut-être là-bas. Ah, ça doit être là. C'est là. Ouais, j'essaye. Il me semblait que c'était la fois où j'avais trouvé les arbres. Ouais, ouais, c'est là. Je me rappelais que c'était au niveau des arbres roses, plus ou moins. Il y avait le truc de sécurité qu'on avait exploré.
Oh là là, on avance à grands pas. Ça fait plaisir. Lox, si tu serais pas streameuse, tu serais quoi? Je sais pas, prof de français? Probablement rien d'intéressant, comme je le suis actuellement. C'est une blagounette. C'est une blagounette, c'était pas pour le... pas pour le shame. Désolé. Little la fang. Mais j'ai pas fait les trucs d'Alan, hein. Par contre, mais bon, on va voir. Pas là sinon. Vous êtes là parce que vous ennuyez et que vous êtes adorable. Vous voulez me soutenir. Parce que vous êtes... En fait, parce que vous êtes trop gentil. Lox est la meilleure. Ah bah ça on le savait. Hein. On voit un canard avec des lunettes, rien de plus. Effectivement, je... Alors ça, tu vois, je le comprends. J'ai aucune idée de ce que je dois faire après. Ah, faut se faire ça. I believe the antibacterial agent was effective. Ornithologue. Il n'y a plus la cam, Boboy. Ouais, c'était pour la cinématique. L'agent antibactérien a prouvé son efficacité. Sans lui, la bactérie se serait propagée. Bonsoir, pustule. Tout à fait. Sometimes, closure is a sense of resolution. Elles ont disparu, les pustules, tout à fait. Hurts, au revoir, pustule. Okay. I did what après, I came bonsoir, pustule. Au revoir, pustule. Ah, really mais j'ai une douleur au bras. Vous aussi? I learned a little bit more about the person I've looked up to for, well, my whole life. I wish I told her that more. Sam always wanted to make a difference. She wanted the bacteria contained non, ça va. To keep okay. everyone safe. I'm grateful to give her that. I just wish I could have said goodbye. Et toi, hémoglobine, si tu pouvais choisir, tu serais quoi? Moi, pendant longtemps, j'ai regardé pour être soigneur dans les zoos. Puis il y a plusieurs choses qui m'ont rebuté, notamment le fait que c'est... Il y a quasiment jamais d'embauche. Et puis après... J'ai fait mes études en com, j'aurais sûrement fait un truc dans la com. Je pense. Il y a mon stage où j'ai fait plein de petits trucs différents. Mais après, faut trouver le taf. Et ça, du coup, comment l'anticiper? Impossible. Bon, bah, c'est cool! C'est trop bien. On a fait ça. J'ai pas tout écouté. Et ben, bah le truc c'est que ça nous donne pas la suite. Ça fait une jolie, un joli message de du fait que Sam va continuer à vivre à travers le geste, tout ça. Mais on n'a pas encore la suite. Peut-être que ça va venir. C'est trop bizarre, j'ai un endroit précis où j'ai mal, mais à différents moments de la journée. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai une mauvaise position. Je vais essayer de me mettre un peu plus au fond. Ouais, faut que je fasse du Alan, ouais. Mais il m'a toujours pas indiqué un dernier truc, hein. Le problème, c'est que je vous montre. C'est tout en bas.
Il me manque encore ça, hein. Il y a des emplacements qui m'a toujours pas indiqué. C'est normal ou pas? Il pas indiqué. Je sais pas. Je sais pas où c'est. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Perso, j'avais tout quand j'ai cherché l'antidote. Bah ouais, mais moi du coup il m'indique plus rien, donc je fais comment pour tout avoir? Faut vraiment que je trouve. C'est surtout ça le souci. Je veux bien, mais il me manque des éléments quoi. Passer le titre quand t'es 3. Bah oui oui je peux. Il y a peut-être un que t'as pas exploré. Bah le problème des signaux c'est que parfois ils sont vraiment pas précis. Mais peut-être ouais. T'en prends pas la balise? Non, ça pourrait peut-être être utile d'avoir cette zone au cas où il se passe un dernier truc. Sait-on jamais si je vais retrouver la zone? Je préfère, vu que je me rappelle pas de la fin, je préfère laisser. Merde! Oh, je suis désolée. J'ai essayé de survoler par-dessus. J'ai totalement raté. Oh, c'est un bébé! Oh! C'est bon, je scanne, ça va! Je peux pas le prendre. J'aurais bien précisé. Ouais, c'est ça, j'ai fini la surface au moins. Ah mais attends, je vais dans la mauvaise... Je vais totalement dans la mauvaise direction. Ah, j'ai fini la surface, ça j'en avais marre. Oh non, mais j'ai pas écrasé une bestiole en étant sous l'eau quand même. Super, je suis passée par là, je voulais pas du tout. C'est trop tard maintenant. Je peux me coincer à vie. Ah, c'est quoi ça? C'est rien. Bonne Gaël. 30 minutes pour arriver à sortir. Effectivement. Je vais couper la VOD ici, je pense. Parce que ça va pas être passionnant. Mais on a avancé, quoi. Voilà. Du coup, je vais essayer de me tirer de cet endroit. Oh là là, je sais même pas si je vais dans la bonne direction. Je voulais juste nager au lieu de marcher, j'en avais marre. On va quand même essayer d'aller au bout. Oh, je reviens ici. Quel enfer. Mais jamais je passe là, mais merde. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivée par où? Tant pis, je rebrousse chemin, c'est pas grave. C'est pas grave, ce sera pas. C'est pas grave. Tant pis. On a une sur moi, mais ça va. C'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé. Mais arrête, c'est ça que je veux! Ah!
C'est pas grave. C'est pas par là que je sors. C'est pas grave. On s'en sort, on s'en sort. Ça recharge. Allez, clic droit. Professionnel. Allez, je fais clic droit loin, s'il te plaît. Déjà le mobile est par là. Laissez-moi m'en aller. C'est bon. On s'approche de la fin. Je suis vraiment très très mauvaise quand même. Vous avez le droit de le dire. Là, je... Justifié. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Je m'en vais de là. Bon, arbre rose machin, c'est resté. Voilà, au cas où. Ça c'est quoi? Ah bah c'est mes dégènes-land. Mais oui, c'est ma maison. C'est bon, on y va. On rentre à la maison. Ok, c'est bon. VOD. Voilà, il y avait ce petit suspense que je voulais garder. C'est bon, je m'en suis sortie. Je rentre à la maison. J'ai niqué un pauvre petit monkey. On va essayer de trouver le dernier morceau d'artefact et j'en sors la VOD pour crafter la fin et peut-être terminer le jeu. Des bisous la VOD. Merci pour ta patience. Bye bye. Ciao ciao.